Alors les scénarios, il y a quoi? Est-ce qu'il y aurait un scénario qui pourrait être intéressant? Venez, on s'invente un scénario. Genre moi j'aimerais me faire un challenge. C'est un scénario auquel je pense depuis longtemps et que j'aimerais bien faire. Donc est-ce que on tenterait pas de faire un challenge? On est dans une maison avec 4 bambins. Notre objectif c'est qu'on ait une compétence au niveau 10 avant qu'ils grandissent sans que je me les fasse enlever. En vrai ça peut être trop cool. On va essayer de se faire ça. On va prendre Cindy la cagole qui va s'occuper des bambins. En vrai c'est pas drôle. En fait faudrait qu'elle soit une magicienne. Bon on va voir ce qu'on peut faire. Regardez-moi cette belle Cindy. Vas-y écoutez, on va la faire habiter où? Un endroit qui pourrait être sympa. Les gars on va faire le pire challenge. Genre une horreur pour s'occuper des bébés. Je vous propose mettre les traits de terrain, des types de terrain horribles. Genre vraiment horrible, bestiole, activité volcanique, dégoûtant, effrayant, gremlin, renard sauvage, maudit, répugnant, tremblement de terre. On met tout les gars. Le challenge horrible par excellence. Les bambins, tu les fais toi-même? Bah en vrai ouais, regardez, on va la mettre enceinte. MC grossesse, début de grossesse, 4 bambins. Voilà, avoir un bébé. On va l'appeler casse-couille, relou, lourdos, chien officiel. Voilà, chien officiel. Oh non, j'ai... Mais quoi? Non mais les gars... On accentuerait pas le challenge. J'accepte le challenge. On va mettre maintenant maison hantée. Haunted. Ça je crois en anglais ça veut dire hanté. Faites voir un petit peu. Eh hey, elle est sympa sa petite maison. Elle est bien je trouve. On va mettre en mode de vie normal. Et les bambins, si jamais ils grandissent en enfant, le challenge est perdu. Si jamais je me fais enlever en enfant, le challenge est perdu. Bref, ça va être très casse-couille. Vous pouvez pas sortir tant qu'il y a un bébé dans votre inventaire. Quoi, il y a un bébé dans mon inventaire? Ah, il y a 6 bébés dans mon inventaire, excusez-moi. Bon, ça arrive non? J'aurais bien aimé les laisser. Ça va être le challenge le plus compliqué mentalement à avoir. Surnaturel, spellcaster, oui. Voilà, et là fais voir. Ok, on a une malédiction. Donc là les gars, en fait, on va avoir une maison qui va être hantée où il y a tous les défis de terrain. Plus de choix, changer d'âge. De base les gars je voulais faire 4 enfants et là j'en ai 6 quoi. C'est le jeu qui a décidé, écoutez. Ça commence très bien les gars. Les enfants ils grandissent dans combien de temps? Dans... un jour. Ok, on va peut-être mettre en mode de vie normal. Parce que voilà, ça va peut-être être compliqué sinon. 8 jours. Ok. 8 jours les gars pour que Cindy améliore une compétence au niveau 10 et que mes enfants ne se fassent pas enlever. En vrai les gars, je pourrais avoir des pots pour qu'ils chient là-bas. Je pourrais avoir des chaises hautes. Mais en fait là, je vais vraiment juste m'occuper de leur donner un repas et de leur glisser qu'ils mangent. Point barre. Leurs besoins autres que ça ne m'importe pas. Donc ça, écoutez, je vais en mettre partout. C'est vraiment pour que les enfants se servent. Hop, elle dort dehors, Cindy. On s'en va les couilles. Pour une fois que c'est l'inverse. D'habitude, c'est toujours ses enfants qui dorment dedans. Voilà, très bien. J'ai l'impression que c'est parti. Quelles compétences on pourrait avoir? Écoutez, on va commencer. Ah, elle commence à rigoler toute seule. Ok, c'est ce fameux fou rire des fantômes. Mais bon, bah, va comment? Ok, pour l'instant, ça va. Il y a ce fantôme du coup qui m'empêche de dormir. C'est superbe, elle a des fou rires incontrôlables. Ça commence très bien. Bon, on va commencer par faire à manger pour que mes enfants puissent manger en boucle. Elle vient de partir en courant. Nickel, mes bambins déjà peuvent manger. On va mettre ça dans une vitrine. Ça reste au frais du coup, c'est ça? Ok, il y a les fantômes qui arrivent. Écoutez, pour l'instant la cuisine ça se passe très bien. Pour l'instant c'est bien, il n'y a pas de feu, il n'y a pas quoi que ce soit. On va cuisiner en boucle, c'est bien. Ok, bon, on a ça. Les gars, elle a été ultra réactive. Oui, bah c'est bon, oh! C'est terminé, hein! Je crois qu'ils ont mis du temps à comprendre que c'était terminé. Ok, elle se tape un fou rire incontrôlable. Écoutez, donc là, par exemple, imaginez, on envoie ce bambin qui a faim. Est-ce qu'il peut se servir pour une portion? Ouais, il se prend une petite portion. Il se prend toutes ces petites portions. C'est trop facile! Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter comme compétence? Vous savez quoi? Moi, je me dis, le violon, ça peut être pas mal. Je vais voir la cuisine, j'en suis où déjà? Niveau 3. C'est quoi, on va voir le violon? Il y a mon chien qui est en train de lécher les cendres de mamie là. Qu'est-ce que tu fais? Chanel. Ah, lui il est un peu faim. Vas-y, attendez, faut que je le gère. Vas-y, va manger, va manger. En fait, le truc c'est que là, elle est mal à l'aise. Enfin, elle peut pas faire quoi que ce soit. Elle veut pas s'entraîner. Annulateur d'état d'esprit, elle pourrait par exemple boire ça et ce serait masterclass ou pas? Regardez, mon énergie, elle est bloquée, j'ai l'impression. Mais là, par contre, j'ai grugé le jeu de fou, non? Ah, vas-y. Ah, les bambins ont réussi à passer là. Ah, du veux. Mais les gars, j'arrête pas de glisser dans ma maison de ouf, s'entraîner. Vas-y, let's go. On va voir si ça augmente bien. Alors, mais bon, bah, il va comment? Lui ça va, il a juste envie de pisser. Lui un peu faim, lui un peu faim, lui un peu faim, lui un peu faim. Bah, écoutez. Ah ouais, j'ai la poupée horrible. Putain les gars, je commence à avoir plein de trucs dans la maison hantée. Chiant à très fin. Tu vois, elle porte très bien son prénom, elle, hein. C'est quelque chose de fou, hein. Enlever la poupée effrayante. Voilà. Mais bon bah il fout un foutoir. J'ai mon bambin, je crois qu'il est en train d'être possédé là. Ok, va manger, va manger. Très bien cette petite astuce là. Du coup, tu peux pas jouer là. T'es trop mal à l'aise, c'est ça? Oui. Vas-y, on va faire à manger, écoutez. Hein. Vas-y, écoutez, elle cuisine. T'as quel enfer de gérer tous ces bambins. Tu vois... Éteindre, éteindre. Cindy! Cindy! Les gars, cette alarme, c'est une dinguerie. C'est bien, le pompier, il vient pour constater que j'ai réussi. Allez, c'est bon, les gars, c'est bon. Allez, cuisine, cuisine, cuisine. Elle est un peu au bout de sa vie. Niveau divertissement, elle s'éclate avec autant d'enfants. On est d'accord, ils vont tous manger. Ah, c'est bon, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Putain, les gars, de voir des bambins courir dans tous les sens. Quel enfer sur Terre. Elle est pas bien parce que l'environnement est un peu sale. Je vois pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Il y a ce fantôme qui fait flipper. Attendez, vérifions. Oh putain, lui, ouais. C'est bon, lui va manger lui-même. Bonsoir, je m'appelle Guidry. 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 On s'en fout, on s'en fout. Il y a Guidry, je sais pas quoi qui est là. Bah écoutez, elle va améliorer sa compétence niveau 10. Hein. Là, il faut vraiment que je prépare à manger à fond. Ils grandissent bientôt, hein, quand même. Ils grandissent quand? 6 jours. Donc j'ai pas beaucoup de temps là. Lui, il meurt de faim, mais il est en train de manger, n'est-ce pas? Il a prévu de prendre un petit truc. Ok, c'est bon, il mange. Lui, c'est bon. Lui, c'est un peu limite, limite quand même. Oh, quel enfer, putain. Vas-y, va prendre à manger. Mais c'est Cindy en fait qui a faim. Après, là, Cindy, c'est son travail à plein temps de s'occuper de ses enfants là. Oh les gars, il y a un fantôme qui est censé être pas très sympa qui est en train de me faire la vaisselle. Adorable. Alors là, merci beaucoup. Chanel est en train de s'enfuir. Oh non. Allez, allez, on se bouge le cul. Faut qu'elle nettoie pour être à l'aise là parce que sinon ça va être la mort. Allez, s'il te plaît, pas le feu, pas le feu, pas le feu, pas le feu, pas le feu.
éteindre. C'est chiant, c'est chiant. Arrête. Ok, faut que je continue de cuisiner. Oh, elle est inspirée, les gars, c'est le moment de cuisiner. Putain, mais le fantôme qui fait flipper. Les gars, elle est en train de péter un câble. Mes enfants, comment ils se portent? Il a faim, prends une portion. Incendie. Quoi? Comment ça va devenir compliqué là? Oh putain, on va y arriver, on va y arriver. Mais qu'est-ce que tu fais, putain? Mais qu'est-ce que tu... Oh, il y a un tremblement de terre. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas le feu, pas le feu, pas le feu, pas le feu. Ok, c'est bon. Vas-y, pose ça là, nickel. On va mettre la brioche ici. Allez manger, s'il vous plaît, mes enfants. Ça serait bien qu'elle soit inspirée. Prends une douche méditative. Vas-y. Pourquoi elle a arrêté sa douche au plein milieu? Parce qu'elle est en train de rire à cause du fantôme qui lui fait se taper des barres. Rien de grave, les gars, rien de grave. Juste un petit tremblement de terre. C'est pas grave. Tes gosses sont tous tristes. Mais non. Dans la tête, la tristesse en vrai. Oh putain. Mais comment tu veux qu'ils mangent s'ils arrêtent pas de s'endormir? Putain, quelle galère, quelle galère. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est effrayée, pourquoi? Vas-y, Cindy, passe à autre chose, c'est rien, c'est rien. Même tes enfants, ils ont pas peur, regarde. Oh, c'est ça l'exemple qu'elle donne à ses enfants? Casse-cou, elle est très fin. Putain, là, ça devient galère, les gars. Putain, mais arrêtez, arrête, monsieur le fantôme. Et voilà, elle a apeuré. Vous avez pas honte de faire peur à Cindy? Elle est effrayée, elle est terrifiée même. Putain, les gars, c'est la merde. Est-ce que vous pouvez manger les enfants, s'il vous plaît? Toi, ça va? Oui, ça va. Toi, ça va? Oui, ça va. Toi, ça va? Oui, ça va. Tout ça va. Oh, ils vont tous bien. Ah, c'est beau à voir. Pourquoi ils vont pas dormir en fait? Je comprends pas. Voilà, regardez, ils dorment tous. Oh, scène rare, les gars, où tous les bambins dorment. Putain, les gars, c'est beau, c'est beau. Va cuisiner toujours sa petite salade. Bah écoutez, ils se reposent, ils ont mangé, ils sont très très bien. Ah, tremblement de terre, j'espère que ça va pas les réveiller. Continue de dormir, continue de dormir. Bah écoutez, il y a lui qui a envie de pécho Cindy visiblement. Putain, mais elle est effrayée, pourquoi? Vit un tremblement de terre. Ça va, c'est rien. Sa compétence cuisine, les gars, elle en est où? Bientôt niveau 6, les gars. Si on atteint le niveau 10 de compétence cuisine, on a réussi le challenge. Vas-y, refais une salade, refais une salade. Y'a Chanel qui est de retour. Non, ne me dis pas que Chanel va réveiller mes enfants, par contre. Tiens, j'appelle l'espère. Bah écoutez, on enchaîne. Mes enfants, écoutez, ils dorment. Ça fait longtemps qu'ils ont pas dormi si longtemps. Là, les gars, ils ont quasiment terminé leur nuit. C'est ouf. Regardez, même notre septième enfant qui est là. Est-ce que vous pensez qu'il est mort d'épuisement? Après, il y a des mouches qui tournent autour de lui, quoi. Oh, mais attends, mais Cindy qui donne un bain à un enfant. Lourdos, les gars, c'est son enfant préféré, ça veut dire? Putain, mais c'est l'enfer, par contre, c'est dégueulasse. Ouais, essayer de tout nettoyer, mes enfants, je pense qu'ils peuvent se gérer tout seuls. Il faut que j'ai ma compétence au niveau max. Il faut que l'environnement soit propre. Ah, putain, mais on s'en fout de l'étage. C'est là où mes enfants ils habitent, on s'en fout. Oui, attendez, il faut déjà acheter une télé, effectivement. Voilà, nickel. Regardez un film, regardez la chaîne cuisine. Donc là, elle va améliorer ses compétences. Elle augmente son divertissement. Bah, l'arrêter instantanément. Ça fait plaisir, en tout cas. Mes enfants tous faim. Cindy qui se prend un bain. Prends-toi une douche, je commence à m'énerver. Mes enfants, ils grandissent quand? 5 jours. J'ai 5 jours pour avoir une compétence niveau 10. Ça se fait large. Les gars, ça augmente que dalle. La meilleure, c'est la compétence cuisine en faisant des salades de fruits. Voyons voir un petit peu comment ça s'augmente. 66%, c'est là où on a commencé. C'est moi ou ça s'augmente pas? Ah, tu vois, ça s'augmente une fois que c'est terminé. Bah non, les gars, on a pris vraiment 2% là. Attendez, mes parents, mes enfants, ils sont pas en train de mourir de faim là. J'espère qu'ils se nourrissent quand même. Ils se gèrent nickel, les gars, ils se gèrent nickel. Franchement, c'est parfait. Ça augmente bien, faites voir, on est à combien? Mais les gars, vraiment, j'ai pris 0% là. En vrai, je pense que vraiment la meilleure, c'est cette putain de salade. Ok, voyons voir. Elle est très mal à l'aise là. Et je pense que du coup, tu vois, sa compétence, c'est de la merde. Là, elle a pris 10%. C'est pas dégueulasse. Cuisiner, vas-y, elle va refaire. Elle est bientôt niveau 7 en cuisine quand même. Je pourrais utiliser, regardez, le truc savante. Les compétences tous rapidement. C'est pas un truc de fou quand même. Let's go. Niveau 7. Putain, regardez tous ces plats qu'on empile ici. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ça donne envie de manger. Cindy, je sais que c'est un peu répétitif, etc. Et c'est pour ton bien que je fais ça. D'accord. Oh! Alors attendez, on va éteindre. Ah, là l'incendie se propage. Cindy, t'es où? Descends, on sait jamais, si les pompiers arrivent. Oh putain, ils descendent tous voir en plus les bambins. Cindy, c'est quand tu veux pour éteindre ce feu? Ah bah super, espèce de gros relou. Y'a relou qui se dit, vas-y, bah regardez le feu à 2 cm. Voilà comment les hommes de Cro-Magnon ont découvert le feu au passage. Hein. Bon bah écoutez, cuisine. Oh putain, arrête de péter un câble. Qu'est-ce qu'ils ont les enfants? Regardez ça. Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, j'ai l'impression que c'est des dramas dans la villa. Qu'est-ce qui se passe? Va faire à manger. On va utiliser ces points là. Annulateur d'état d'esprit, parce que là vraiment je vous le dis, c'est complètement plus possible ce soir. Voilà, très inspiré, super. Ok, là il faut que tu bombardes. Là c'est notre moment d'améliorer la capacité de cuisine de manière astronomique. Ne nettoie pas ça, on s'en bat les couilles. Les gars, elle me casse les couilles. Cindy, j'ai envie de te fracasser ta gueule. Va faire la cuisine tout de suite avant que le fantôme il t'enlève ton énergie. Arrête de faire la folle là, c'est bon, on est pas là pour faire du spectacle non plus. Est-ce que tu aimes la cuisine? Oui. Ok, superbe. Alors là les gars, c'est parti. Touille. Elle est inspirée pendant combien de temps là? Pendant 2 heures. Attends, inspiration plus 100. Mais elle est trop bien la potion les gars. J'aurais dû prendre que ça. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Allez, on enchaîne, cuisine. C'est-à-dire que là, elle peut avoir toutes les malédictions du monde. Elle va réussir à faire ça, quoi. Oh, c'est la solution, les gars, c'est la solution. On va réussir. Vas-y, cuisine. Ouh là là, tremblement de terre, des fantômes. La difficulté se rajoute ici. Oh. Bah écoutez, Cindy qui a failli mourir. Ah, y'a Vlad qui vient d'arriver. T'inquiète pas qu'il va partir vite. Hein. Il se fait accueillir par 2 fantômes, par des éruptions volcaniques. Sympa, hein. Y'a plus d'électricité au passage. Non. Ah oui, qui a coupé l'électricité? Salle du jardin. Bah écoute, ça empêche pas que tu peux toujours faire la salle du jardin. Ah, il y avait un mood hein, quand tout était éteint quand même. Niveau 9 en cuisine, dégage, bientôt réussir le challenge. Plus que une. Non, bah non, c'est un niveau du coup, pas une niveau. Ou alors j'assume mon erreur, ou alors je l'assume pas justement et je dis plus que une niveau. Elle va commencer une nouvelle relation, comme ça elle ira mieux. Voilà, on va prendre des photos avec le fantôme. Putain, mais les gars, quel enfer. Ok,
On va commencer une nouvelle relation derrière les barreaux. C'est pas mal, hein. Est-ce que ça serait pas une métaphore finalement de la où elle habite? Arrête de rire, putain, elle est en train de rire, elle fait rire tout le monde. Rolo a très faim. Arrêtez, c'est bon. Arrêtez vos oeuvres. La gazinière est en feu. Ouais, mais ça c'est pas un problème. Vous inquiétez pas. Cindy est un peu au bout de sa vie parce que apparemment l'environnement est sale. Pas de quoi, du tout de quoi elle parle. Faudrait qu'elle nettoie Cindy parce que là vraiment elle se sent très mal à l'aise et du coup elle peut pas avoir une relation avec quelqu'un. Du coup elle peut pas gagner des points et du coup elle peut pas être inspirée et réussir ce qu'elle doit faire. Putain, mais les gars, il y a tout qui est pété. Ok, vas-y, nettoyez légèrement. Écoutez, c'est nickel. Il se gère tout seul, les gars, c'est merveilleux. Par contre, en vrai, il y aurait une difficulté de ouf. Ça serait imaginer gameplay. Autonomie désactivée. En vrai, ça serait qui changerait tout en fait, non? Chanel va mourir de faim, ne vous inquiétez pas. Au mieux, il se fait enlever. Au pire, il part. Offrir un cadeau romantique, vas-y, je lui offrir un cadeau romantique à lui. Je dois y aller, c'était sympa. Non, mais les gars, elle aura jamais de nouvelle relation en fait, c'est ça que je comprends. Les enfants changent d'âge quand? Bonne question, ça. Ça va, 3 jours. Lourdeau a très faim. Bah écoute, Lourdeau, tu commences à me casser les coquillettes. C'est bon, t'es inspiré ou pas? Non, mais les gars, c'est quoi ce délire? Elle est inspirée plus 100, mais son mal-être passe devant. C'est quoi cette histoire là? Si elle boit tout ça, ça va mieux? Oui. Non, mais les gars, c'est bizarre cette histoire, non? Il faut faire une salade. Nous avons réussi le challenge, je pense. Attention. Tu peux arrêter d'aboyer le chien, s'il te plaît? Et voilà, mes amis! Et voilà! Trop facile, en fait!